Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie qui s'intéressera à la possibilité d'utiliser notre carte Arduino comme une carte d'acquisition de données et de pouvoir visualiser ces données en live sur notre ordinateur. Pour ce faire, nous allons utiliser l'Arduino et une petite interface graphique que nous avons développée grâce au langage de programmation Python. Python est un langage de programmation objet open source et multiplateforme. Il est conçu pour optimiser la productivité des programmeurs en offrant des outils de haut niveau et une syntaxe simple à utiliser. La communication entre l'API Arduino et notre programme Python est réalisée par une librairie dédiée à la communication série qui est PySerial. La donnée que nous allons acquérir est la tension de sortie d'un potentiomètre alimenté en 5 volts et branché sur la pin analogique 0 de notre carte Arduino. L'interface graphique que nous avons utilisée a été programmée grâce à la bibliothèque TKinter qui est fournie avec Python. L'interface consiste en un objet graphique Galva que l'un de nos contributeurs a développé pour l'un de ses projets et que nous avons modifié afin de permettre l'affichage en pourcent de la valeur d'entrée analogique qui est bornée entre 0 et 5 volts. Comme vous pouvez le voir, l'action sur le potentiomètre est traduite par le mouvement de l'aiguille et par l'affichage du pourcentage de la valeur d'entrée. Nous aborderons dans un prochain article sur notre page les détails exacts de cette réalisation. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Nous attendons avec impatience vos réactions et commentaires sur votre page Open Hardware Algérie. Et de la part de toute l'équipe, salam.